Bonjour à tous, donc dans cette vidéo vous allez voir nos vacances. On avait le choix entre l'Espagne et puis remonter dans le Pas-de-Calais. Et puis comme il ne prévoyait pas trop moche dans le Pas-de-Calais, à part actuellement, enfin on n'est pas dans le Pas-de-Calais. Alors justement, ça ce sera dans la prochaine vidéo. Si vous arrivez à me dire où je suis. Hop, voilà, j'en montre pas plus. Et donc oui, on avait le choix entre l'Espagne et puis le Pas-de-Calais. À première vue, il prévoyait un petit peu de pluie dans l'Espagne, dans le sud de la France. Du coup, on a préféré partir dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France. Et du coup, on a été jusque la Panne. En Belgique et puis on avait d'autres choses de prévues que vous allez voir dans la vidéo qui va suivre. Donc voilà, j'essaye de faire des nouveaux montages, d'améliorer la qualité vidéo. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Et puis voilà, bientôt la suite de cette vidéo. Un passage en Belgique, on en profite ici à la Panne, juste à la frontière France-Belgique. Un temps magnifique. Il est bientôt 18h et il fait encore super bon. Thank you.
Donc, voilà 12 ans que j'étais pas revenu là au moins. Et c'est plus du tout entretenu. Et c'est dommage, on ne peut plus voir du tout le pied de ce chêne. Et puis voilà, il est malade, il est en train de crever. C'est vraiment dommage parce que c'était un super arbre. Tous les bras rentrent dans le sol comme ici. Et hop, ils rentrent dans le sol, ils ressortent ici. Et continuent, ils ressortent là derrière. Franchement, c'est un super arbre qu'on s'entretient. C'est vraiment dommage. Soit dans cet état-là, et puis voilà, que ce sentier n'est pas resté entretenu. Sûrement encore faute de moyens. Et donc là, on arrive sur un chemin en ciment, en béton, qui s'appelle tristement le chemin des Juifs. Parce que comme vous le voyez, voilà, c'est un site où il y a eu pas mal de... Voilà, où il y a eu la guerre, hein, on est proche de l'Angleterre. Et donc ce chemin en ciment a été construit pendant la guerre par des Juifs. Et ceux qui étaient en mauvaise santé ou proches de la mort, ils étaient achevés et servaient de remblai sous ce chemin. Qui fait plusieurs kilomètres. Et il rejoignait plusieurs blocos. Et donc là, on va redescendre. Voilà, tout en bas où il y a une grosse dune. Et on va retrouver la mer, et pareil, donc au pied de cette dune, il y a des blocos où voilà, quand on retrouvait tout ce qui était obus, tout ça, des démineurs de charbon venaient et on faisait péter tous les obus dans les blocos qui étaient en bord de mer pour les démolir. Pense quoi toi d'ici? C'est joli? Ouais, c'était loin à marcher par contre. C'était loin à marcher, oui, mais on est passé à travers pour trouver l'arbre. Hop. Et donc là, on va reprendre le sentier, tout redescendre pour aller jusque la dune.
Et voilà. Voilà ce dans quoi on mettait les... tout ce qui était obus, mine anti-char et tout ça. Puis on faisait ça, péter ça là-dedans. Et puis on se mettait derrière, il y avait un autre blocos un peu plus loin. Alors maintenant vous voyez, depuis on en refait péter certains qui ils les ont littéralement éventrés. Mais voilà les blocos. C'est du sport. Hein. Et donc là on est garé, hop, là-bas tout au bout. On voit une petite remontée. Hop, voilà, juste à droite, là où, enfin, au milieu de l'écran. Voilà, juste là. Et donc, on est garé un petit peu plus haut, donc sur la commune de Équien. Là au loin, la commune de Ardelot. Donc là on se trouve dans un cimetière militaire de la guerre, entre juste avant l'entrée d'Étaples, entre Étaples et Boulogne-sur-Mer.